Bon, le petit spot bien connu, c'est fait. Rien d'extraordinaire, c'est très joli, c'est très joli. Néanmoins, je pense que c'est d'autant plus joli avec le coucher de soleil. Mais le coucher de soleil ici, il faut que le système solaire entier, avec les 10 galaxies les plus proches, s'aligne pour pouvoir réussir à faire une photo. Néanmoins, il y a quand même, regardez ça, quand c'est vide comme c'est joli ici. On va juste monter jusqu'au temple, là où j'étais hier, parce qu'il y a quand même un joli contre-jour à voir. Et ensuite on va faire de la photo de rue dans les jolies rues traditionnelles de Kyoto. Je vous ai pas dit bonjour d'ailleurs, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Photopia. En espérant que là, s'il vous plaît, pensez bien à vous abonner. Il faut qu'on dépasse les 4000 heures de vues moyenne là, pour que YouTube puisse passer en revue ma chaîne. Peut-être que ça pourra aider plus tard. Fini pour moi, les jolis temples, les jolies pagodes. J'ai une tête avec ma capuche. On se rend en direction pour aller dans les rues un petit peu plus, pas locales, mais un petit peu plus rue, on va dire rue traditionnelle. Là où ici c'est touristique avec beaucoup de magasins, plus maisons, etc. Vous venez voir effectivement un des plus vieux Starbucks au monde, vu qu'il a été mis dans une des maisons traditionnelles de Kyoto. D'ailleurs, pour information, Kyoto est une des villes qui n'a pas été touchée pendant la guerre, d'où le fait que tous les bâtiments qu'on a autour de nous, etc., sont d'origine, malgré qu'ils soient rénovés, bien évidemment. Mais oh là là, je ne sais pas qui habite ici, mais clairement on est sur des logements qui doivent coûter relativement cher, et j'adore l'architecture contemporaine qui se prête aux architectures traditionnelles du quartier. C'est vraiment extrêmement joli. La météo annonce quelques nuages et j'espère qu'il va pas pleuvoir hein. S'il pleut là, j'ai les boules. Avec tout ce que j'ai même pas le parapluie en plus. Surtout, j'espère que ça se dégage un peu parce que je suis censé aller voir quelque chose. Et s'il n'y a pas de soleil, ça risque d'être vraiment pas foufou. Donc, ah là, il y a quand même les éclaircies là-bas, mais la différence qu'on a, un côté il fait beau, un côté il fait pas beau. Là, on a un super ciel bleu. Et dès que je me tourne, c'est le tout gris pas beau. Bon, je suis du coup dans une des rues que Jordan, un ami, m'a conseillé d'aller voir. Ouah, le corbeau. Oh là là là, ouais bah enroule-toi. Là aussi putain ils sont tellement jolis, puis avec cette météo là, moitié beau, moitié pas beau, ils ont une carrure. Oh là là, ils montent sous le poteau, attends je vais prendre une photo. Il pleut un petit peu là, j'aime pas ça hein. Nous nous sommes déplacés au nord-ouest de Kyoto. Je pense que vous pouvez commencer à le voir. À une des forêts de bambou les plus connues du Japon, Arashiyama Bamboo Forest, qui commence déjà par être très jolie. Je suis content parce qu'on a quand même encore des rayons de soleil, ce qui fait qu'on va pouvoir faire, je pense, quelques photos. un petit peu plus loin, je fais juste un petit tour, on est dans un espèce de village. C'est pour ça que je dis il fait froid aujourd'hui, mais il y a vachement de vent. Et c'est tout mignon, tout joli. Autour de moi, vous pouvez voir, c'est vraiment tout tranquille. Il y a quelques restaurants ici et là, des maisons avec des petits jardins, tout joli. Vraiment agréable cet endroit-là, vraiment très très joli. Les marches en face là, avec toutes les feuilles qui sont tombées au sol. Alors c'est dommage qu'elles ne soient pas sur les arbres, j'imagine que quand elles sont sur les arbres ça doit être extrêmement beau. Mais avec toute la mousse etc, là c'est vraiment magnifique. Par contre à Kyoto, c'est vraiment l'endroit, avec Nara aussi, où il faut payer pour rentrer pour tous les temples. Alors certes par contre c'est des endroits exceptionnels. Tout est parfaitement en place au niveau de la végétation autour. Tout est là pour rendre le lieu absolument magnifique. De la forêt là, on entend un tout petit peu, je suis quasi sûr qu'on entend des singes mais qui sont bien plus loin hein. Le papy que j'ai rencontré hier, il m'a dit que, en fait je lui ai dit il y a des singes dans le cimetière qui viennent parce qu'il y avait le panneau comme vous avez vu, il m'a dit en fait en hiver les singes ils descendent de la montagne, ce qui fait qu'ils peuvent se retrouver à la lisière de la ville. On entendait pas mal de cris, je pense que c'est ça. Je descendais là doucement, j'arrive, je vois ça, je vois tiens une pièce, je continue d'avancer, je vois un autre ici, je fais ah bah tiens, oh un autre et 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 un autre. Le petit truc qui brille par-ci par-là, heureusement qu'ils n'ont pas d'épis, hein. Sinon les pièces il y a longtemps qu'elles seraient plus là. Il y a des éclaircies qui se montent de temps en temps mais c'est assez rare là, il y a quand même une bonne masse de nuages, ce qui fait qu'avec la Hasselblad là je prends pas trop de photos, je me limite vraiment au best of the best on va dire, sauf que ça inclut de la lumière et là dans l'ombre ça a beau être joli parce que je suis dedans et tout est magnifique, j'ai l'impression d'être dans un ghibli, mais en photo sans lumière, sans un petit rayon de soleil, ça va être très très fade, à moins de faire un truc très proche avec beaucoup de couleurs, des feuilles etc, mais j'attends de meilleures occasions. Imaginez cet endroit quand vous avez toutes les feuilles rouges qui sont par terre là au niveau des arbres. Je vais pas le dire hein, parce que je vais me répéter, mais vous avez compris. Oh là là. Koji, que je vous invite à aller voir d'autant plus si vous passez au printemps ou au début de l'automne, ça doit être 100 fois plus beau et vu comme c'est déjà magnifique, à mon avis c'est totalement à faire. Je vous avoue que les temples, j'aimais beaucoup ça, j'en avais vu plein en Asie du Sud-Est, en Corée bien évidemment, j'en ai fait pas mal. À chaque fois je trouvais ça très joli mais rapidement, enfin disons que j'avais fait un peu le tour, je fais bon bah c'est joli, j'y resterai pas trop longtemps. Et là au Japon, je redécouvre les temples, vraiment c'est incroyable. À chaque fois, oh, il y a des... Ça va faire peur un petit peu ça la nuit. Des poupées, une sur un balançoire, une sur l'arbre, sur un arbre coupé. C'est étrange. Mais ouais, je redécouvre les temples, c'est un vrai plaisir à se balader dans ces jardins. Les Japonais méritent très clairement cette renommée au niveau des jardins. Il y a vraiment un très gros savoir-faire et je crois que nous sommes arrivés au spot photo. Et je me disais peut-être faire une photo plutôt du ciel avec les bambous qui se referment un petit peu sur le centre de l'image. Un peu cliché, mais c'est toujours très joli je trouve. C'est très représentatif de l'endroit aussi. Sauf que là, il n'y a pas de soleil. Donc je vous avoue que sans soleil, je ne ferai pas de photos. La grand-mère qui me parle, je comprends rien. Je la suis, je m'assois, elle me dit ah, machin, assieds-toi. Je comprends qu'elle dit Gohan, qui veut dire riz, si vous avez suivi la vidéo d'hier. Il a pas une tête de Pingu. C'est allé extrêmement vite. J'ai pas eu le temps de faire quelque chose, j'ai eu le temps de prendre une jolie photo avec la Hasselblad. Peut-être en faire une autre d'ailleurs avec le riz à l'intérieur, il me semble qu'elle a réussi. Oh, ça a l'air beau. Donc c'est du riz avec un topping au-dessus, donc il y a un mélange d'omelettes, d'œufs, d'autres choses. Et avec, j'ai un petit thé, une espèce de petite soupe, des baguettes qui sont servies à côté. Et je crois qu'une espèce de pickles un petit peu à la coréenne aussi. Ça mériterait peut-être même une autre photo avec la Hasselblad. Je pense que je vais en faire une autre. Une espèce de soupe champignon. C'est le meilleur de loin que j'ai mangé. Ça a été assez bref. C'était très calme à l'intérieur. Ça arrivait très vite, c'était très bon. J'ai pu parler à deux Japonais assez jeunes qui étaient à côté de moi. Parce qu'en fait, il a vu que je prenais des photos à la Hasselblad. Et lui, il avait le Contax T2, je crois. Du coup, il me demandait mon Instagram, savoir voir ce que je faisais, etc. Il parlait super bien anglais. Je crois que c'est les premiers Japonais que je rencontre qui parlent aussi bien anglais. Ils étaient à l'école internationale à Tokyo. Et donc, ça faisait plaisir. Très sympa. Encore une fois, c'est lui qui est venu... de lui-même vers moi, donc très cool. Ouh, il y a une jolie voiture là, je sais pas si ça pourrait faire une jolie photo avec la moitié qui est au soleil. Ah si, la Jaguar là, ça peut être joli. Adresse absolument à conseiller, Toriwaru je crois. Et d'ailleurs merci Alex, à chaque fois du coup j'utilise Goshiso Samajeshita. Je dis assez vite, relativement bien, mais ils comprennent à chaque fois, ils sont très contents. Donc ça marche très bien d'avoir des petits mots comme ça, pas juste les oishi ou des trucs comme ça, mais avoir juste le petit truc en plus qui fait que tu fais un effort de savoir un mot un peu plus spécial, ça leur fait plaisir. Et la voiture à mon année de naissance. Est-ce que c'est un signe pour une photo? Moi je crois bien. J'ai déjà photo enclenchée, c'est la 6e photo, mine de rien. J'ai fait des mises au point très proches avec la Hasselblad sur des plans de détail au restaurant, sur des photos en lien de gastronomie. Shooté, c'est dans la boîte. J'ai tendance à vous oublier depuis tout à l'heure. J'essaie vraiment de me limiter pour pas avoir une vidéo trop longue ce soir, parce que sinon je vais clamser, je vais pas réussir à vous la monter avant de dormir, sachant qu'il faut que je me relève très tôt demain matin. Là je suis au marché de Nishiki, qui est un marché un petit peu moitié touristique, produits locaux, pour essayer d'autres choses, etc. Et il y a peut-être une petite chose que j'ai envie d'essayer, il y a des grosses bouteilles de saké qui ont l'air d'être des bons sakés, je n'en ai aucune idée. On va les goûter, c'est 100 yens. Le premier verre, je pense que je vais voir ce que ça donne. Mais j'ai une autre petite chose à goûter aussi un petit peu après qui me donnait très envie, que j'aime beaucoup de base dans les 7-Eleven. Et il y a une version un peu premium là-bas qui m'a l'air pas mal du tout. Saké kudasai? This one is stronger. This is easy to drink. I will take this one, stronger one. Hi. Arigatou gozaimasu. Arigatou. On va quand même essayer ce petit saké. J'ai regardé, effectivement, il y a bien du bœuf de Kobe ou de Wagyu. Il y a le bœuf de Kobe, c'est 50 grammes, 5000. C'est pas mal. Donc 40 € les 50 grammes et 150 grammes, 4500 pour un steak de Wagyu. Et donc on va quand même essayer le soju qui est un verre assez bien rempli. J'ai pris celui-ci parce qu'elle m'a dit qu'il y en a un qui est plus facile à boire et l'autre qui est plus fort. On va voir, j'ai aucune idée à quel point il est fort. Ah oui, c'est présenté dans un, à la traditionnelle, dans un petit truc comme ça. En général, ils servent jusqu'à ce que ça déborde, il me semble. Oh, ça sent bon. Oh, c'est fort, c'est doux. Oh, c'est super doux. Rien à voir aux bouteilles que vous pouvez avoir dans les supermarchés à côté des sushis là. Ça passe tout seul le saké. C'est très doux. Ah, il fait tellement froid aujourd'hui. Clairement, là, je me suis pas habitué. Il faisait bien froid à Sapporo, mais là, je sais pas pourquoi, je sens beaucoup plus. Et demain matin, ils annoncent -1. Autant vous dire que ça va être compliqué. Sachant qu'à Séoul, il fait -10. Le retour va être compliqué. On dirait que c'est ça, mais c'est pas ça, si c'est ça. Mais ça a changé, c'est plus la même façade. Mais c'est bien cette boutique. Bon, bah, let's go. Bonjour. Yeah. Katsu? Katsu, cheese katsu. Cheese katsu. So. Arigato. C'est gros quand même, dis donc. On va dire c'est le dessert qui allait avec le riz. Ça va que ce que j'ai mangé à midi n'était pas trop copieux, parce que là je vous avoue que ça en rajoute une belle couche. Ce soir je mangerai un petit peu moins, mais je voulais essayer et demain j'aurai normalement pas le temps. Donc là on est sur un sandwich de pain de mie. Il faut savoir que le Japon est très bien réputé pour son pain de mie, qui est souvent très tendre, très mou, très doux. Donc en faire un sandwich, c'est plutôt une bonne idée. Et là on a une tranche de katsu, qui est, il me semble, du porc frit. Et j'ai pris la version fromage, ça m'a coûté 780, environ 4-5 € pour un sandwich premium, on va dire. Ça a l'air particulièrement bon, je ne vais pas vous mentir. Oh, c'est bon. Bon, vous savez, le fromage n'a rien d'exceptionnel, mais ça rajoute ce petit truc crémeux et la texture qui va avec, qui est toujours appréciable. Un régal, super bon. Ça, pour le coup, c'est un sandwich, mais ça reste japonais. Je pense que je vais vous laisser là, de mon côté. Je vais profiter là, de la dernière heure que je vais rester dehors avant de rentrer chez moi pour faire quelques photos en bonne et due forme, histoire d'essayer d'avoir le best of the best et de pouvoir vous faire la vidéo en temps et en heure, et ensuite pouvoir dormir avant de me réveiller demain matin, un petit peu plus tard néanmoins que ce matin, pour aller voir un des endroits que beaucoup connaissent déjà. Je vais bien sûr parler le fameux temple en forêt avec toutes les portes de les torii, les portes rouges que vous avez déjà vues en vidéo. Et là, il va y en avoir un paquet. Et à mon avis, on aura de quoi faire de belles photos. Surtout que demain matin, ils annoncent un ciel totalement dégagé. J'espère que ça va s'améliorer parce que normalement, ça a l'air d'être nuageux pour le reste du voyage. Dans tous les cas, je vous conseille, moi, de vous abonner. Au passage, j'ai réussi à faire ma demande pour devenir partenaire YouTube et ensuite monétiser les vidéos et peut-être surtout avoir plus de visibilité. On l'espère, on croise les doigts, ça va peut-être prendre à peu près un mois ou deux avant que ça puisse se valider, si ça se valide. Et moi je vous retrouve encore une fois demain pour une nouvelle vidéo. C'était Antoine pour Photopia. Ciao!